Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Training Central. Aujourd'hui, nous intéressons au secteur industriel et plus particulièrement à Schneider Electric. D'un point de vue fondamental, Schneider Electric a publié pour le premier semestre 2015 un EBITDA ajusté en hausse de 6,4% à 1,6 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires est ressorti en progression de 9,8% à 12,8 milliards d'euros. Graphiquement, le titre se maintient au-dessus de la zone de support des 52 euros qui préserve les cours depuis novembre 2012 et testé 4 fois depuis. Par ailleurs, la valeur reste soutenue par une ligne de tendance haussière en place depuis octobre 2008. Ainsi, tant que 52 euros n'est pas enfoncé en clôture, une phase de reprise technique est attendue avec 59,8 euros comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera les cours sur les 63,3 euros. Afin d'optimiser ce scénario, nous avons sélectionné le turbo Infinicoal J402B émis par BNP Paribas, le BA désactivant d'à 38,10 euros. L'effet de levier sur ce produit est de 2,99. En résumé, les objectifs sur Schneider Electric se situent à 59,8 et 63,3 euros. Seul l'enfoncement des 52 euros viendra valider ce scénario haussier. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée et à demain pour un nouvel avis d'experts.